Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui on va parler série avec VandaVision parce que je me suis enfin abonné à Disney+, et que je rattrape mon retard sur les nouvelles séries Marvel. Et je dis bien nouvelles parce que pour moi les premières séries Marvel étaient celles qui étaient faites avec Netflix, avec notamment Daredevil, Le Punisher, Jessica Jones, Iron Fist, et j'espère fortement qu'elles auront une seconde vie sur Disney+. Mais bon, aparté terminé. Bon, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que moi je suis plus de la team DC, et que je ne suis pas ultra fan du MCU. Je trouve que certains films sont inégaux, mais attention, je suis un grand fan des films Avengers. Mais passons au sujet du jour. Si on peut résumer cette série, Wanda et Vision vivent dans une petite ville toute tranquille, dans une petite maison, dans les années 50, loin de la pression des Avengers, mais tout ne semble pas si idyllique que ça. Quelque chose cloche. En fait, le patron du MCU a déclaré vouloir faire des séries sur certains personnages du MCU qui n'avaient pas eu leur film solo. Et pour vous dire, la première fois que j'ai entendu parler du projet, je m'étais dit « Ouais, Wanda, Vision, dans une série qui se passera dans une sitcom... » Enfin, on s'en fout un peu, quoi. Mais c'était mal connaître le bonhomme qui a choisi de débuter sa phase 4 du MCU par cette série. Et je vous rappelle que les événements de cette série auront une importance sur le futur film de la franchise, à savoir Doctor Strange 2. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, simplement, j'ai adoré. J'ai tout simplement adoré. Je vous cache pas qu'il m'a quand même fallu 3 épisodes pour vraiment me mettre dedans. Parce qu'en fait, au cours des 2 premiers épisodes qui rendent hommage notamment à la série Ma sorcière bien-aimée, hein, pour vous situer un petit peu, en fait, j'étais perdu, j'avais du mal à comprendre quels étaient les enjeux, où est-ce qu'on voulait nous amener. Et au fil des épisodes, justement, le scénario commence à apparaître et on voit en fait quels sont les tenants et les aboutissants de cette série. Et puis, on en apprend beaucoup sur la relation Wanda et Vision. Ils sont même vraiment touchants. Et on ressent en fait la douleur de Wanda après Avengers Endgame et la perte de Vision. En vrai, on voit vraiment qu'elle est ultra puissante et qu'à mon avis, elle sera vraiment importante dans les prochains films de la saga. De plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on se représente de plus en plus l'impact qu'a eu sur l'humanité le claquement de doigts de Thanos et la disparition de la moitié de la population terrienne. Ça, c'est cool. Mais ce que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est dans la forme de la série. C'est vraiment une lettre d'amour à la télévision et aux sitcoms des années 50, 60, 70, 80, 90, 2000. La réalisation, honnêtement, elle est aux petits oignons. Et on s'y croit dans un épisode des années 50. Et ça, c'est cool. Et j'ai vraiment l'impression que Marvel a osé prendre des risques et qu'ils nous ont sortis de notre zone de confort qu'on a habituellement avec ce genre de film. Le style de jeu des acteurs s'adapte selon l'époque où se passe l'épisode. Et franchement, c'était ambitieux, très risqué, et finalement, ça rend super bien, quoi. Et je veux saluer la performance d'Elisabeth Olsen, que j'ai trouvée vachement convaincante. Selon les différentes époques où se passaient les épisodes, on y croit à chaque fois, et franchement, elle m'a convaincu par rapport à ses talents d'actrice. Bravo à elle. En bref, c'est un grand oui et je vous conseille de voir cette série. J'ai vraiment l'impression que Marvel expérimente, prend des risques en fait avec ses séries et ça, franchement, c'est cool. Et je vous cache pas que je vais rapidement me lancer sur les nouvelles séries du genre Le Faucon et le Soldat d'Hiver ou alors Loki. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je parle plus tard du Faucon et du Soldat d'Hiver ou alors de la série Loki. Peut-être que j'en referai une vidéo si ça vous intéresse. Et surtout, donnez-moi votre avis sur VandaVision. Ça m'intéresse. Bon, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine critique. À bientôt !